ces formulaires sont cryptés. Dès qu'ils sont validés à la première opération, c'est-à-dire les étapes, s'ils ne sont pas lues automatiquement, on ne peut pas brûler une étape. C'est-à-dire quand le paiement est fait, il y a une lecture qui valide ce formulaire, qui le met en circulation. Une fois qu'il est validé, il doit passer à l'ANR. L'ANR le valide aussi électroniquement. Une fois qu'il est passé à l'ANR, il est validé au kiosque qui contrôle que votre dossier est prêt à être enrôlé. Quand on vient à l'enrôlement, la même chose. S'il arrive à l'enrôlement et ce dossier n'a pas été validé dans les étapes précédentes, il est bloqué parce qu'il doit être validé. Et toutes ces étapes sont suivies parce que le système a une traçabilité totale de toutes les opérations. Aucune étape peut être dépassée et tout opérateur qui enrôle, que ce soit M. Jean-Claude ou Madame, eux-mêmes, avant de s'enrôler, ils ont mis leur empreinte. Donc on sait que tel agent a enrôlé telle personne. Et toutes les étapes sont respectées avec cette même traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, tout système d'état civil doit avoir une traçabilité complète pour avoir une transparence aux opérations avant de les mettre dans la base de données.